a encontrar una parte que dice interpretación. Hacen clic y pueden acceder. Per le persone che parlano l'italiano, se avete bisogno della traduzione, potete andare giù nell'icona interpretazione e scegliere la lingua, in questo caso italiano. Se non la trovate, potete accedere attraverso i tre puntini che trovate sempre giù e lì trovate interpretazione, scegliete la vostra lingua. Per le persone che parlano il francese, vous pouvez choisir la langue. Et si vous allez en voix et vous choisissez l'icône interprétation et la langue française. Et pour le portugais, c'est comme un peu l'espagnol, accèdent à travers de l'interprétation, de l'icône interprétation, qui est un globo. Bienvenidos à tous. Great. I think we're getting everyone connected and connected to their interpretation also, which we'll have some time to Attendant que figure tout le out monde if se you can connecte, remember that you get your interpretation on va donner un peu de to temps whoever à you tout le monde choose. pour qu'il But puisse really, first of all, se hello connecter à everyone. l'interprétation, mais nous Welcome allons to déjà commencer. Laudato Si' Week. Bonjour à We're tous, almost bienvenue, in the bonne middle of semaine January. Laudato Thank you Si'. so Nous much for sommes joining us. déjà en My name is pleine Sarah semaine Mondel. I Laudato work Si'. Je at m'appelle Sarah Action Mondel. Platform. Et Thank you for joining us j'accompagne la today. Thank you plateforme for your d'action support. Laudato Si I welcome en you tant que today chargé de on behalf of the communication. team that has prepared this webinar. Je vous souhaite la bienvenue Our aujourd'hui au nom project de team toute at the l'équipe qui a Laudato préparé Si ce webinaire, platform, which is a l'équipe de la project of plateforme Vatican d'action Planet Laudato Institute, Si, qui the est un Vatican projet du Institute for dicastère du Development and Vatican pour la promotion du Development, développement humain the intégral, Laudato Si movement as avec a le global soutien du cooperative mouvement Laudato movement, Si en tant and que the team partenaire that is dedicated to opérationnel peace and integrity, et freedom l'équipe de la from Commission oppression, Justice, women Paix equality, et fraternity, Intégrité de la Création des Supérieurs leadership Généraux through des the Unions Team Masculines et Project, Féminines, the Planet en Project. particulier à travers son projet Every Semaine month, we Espoir have a pour la webinar planète. to support the participants and friends of the Laudato Si' Action Platform in their journey toward integral ecology, offering speakers who share their experiences and expertise in hope of inspiring others in their concrete planning and actions. Today's webinar J'espère qu'il highlights sera à la fois une the célébration de first la of a semaine series et called Voices une of source Climate d'inspiration Change, pour les participants, les amis de encouraging la plateforme everyone d'action to Laudato be a Si. part of climate action. Ce mois, c'est utilisant Here Zoom. we are. We hope it can be both a celebration of Laudato Si' Week and an inspiration to all of you connected here today. This month, we're using Zoom meeting, which is a little different. Ce mois-ci, nous So that utilisons everyone Zoom can be together Meeting. and feel part of Nous this utilisons la collaborative plateforme Zoom community. pour que tout le monde puisse se voir We have so many participants today et that sentir some of qu'il est you ou may elle even be fait able to partie de hear cette vaste who communauté are on the mondiale. live stream, because at a certain point, we might hit our max participant. Vous pourrez envisager de vous For those connecter who may sur still be YouTube muted on car Zoom, we à un ask moment, that you please put your phone on mute. And I invite you, if you haven't yet, on pourrait se to join retrouver au the nombre Laudato maximal Si' de team and personnes join the autorisées community sur in Zoom. something that gives you hope. Pour l'instant, je vous invite à vous présenter dans le chat. Dites votre nom, Before I votre invite pays representatives of et both the votre Laudato espoir Si' pour la Action planète. Platform and the Avant Laudato d'inviter les Si' team représentants de to la join me plateforme in d'action Laudato welcoming Si et them de la to the Laudato Commission Si' Justice, Leadership Paix et Team Intégrité de at la Vancouver Création de l'Union des for supérieurs their exciting généraux, announcements. à dire quelques Now, mots. Voici quelques annonces first, if pratiques. you need translation, we are offering translations in Spanish, Italian, French, or Portuguese. You can access them Premièrement, either si vous by avez besoin clicking d'une the button at the traduction, bottom of your screen, d'interprétation, vous click the interpretation avez button, l'interprétation and en choose your preferred espagnol, language. italien, français et anglais. Please note that one of our speakers will be speaking in Spanish. So for our Spanish and English speakers, be ready for us to be giving you instructions on how to change your listening channel so you can hear him in your language when that time comes. And we'll let you know what to do in that moment. Second, we ask you to keep your microphones on mute since this is set up as a Zoom meeting. Nous And vous that will demandons help de garder vos ensure that you're micros highlighted en clearly as sourdine. clearly as possible. Third, this webinar is being recorded and live Ce streamed on webinaire YouTube. est enregistré et And diffusé en direct sur well, YouTube. this time actually we're all visible. So just keep that in mind as we're recording that and we would like Les to make sure participants that we're seront able to cover visibles et as many people gardez as à l'esprit possible. que ce webinaire est enregistré Fourth, et nous if allons you le have any diffuser plus questions tard. during the webinar, please don't hesitate Quatrièmement, to si vous submit avez your des questions à questions poser pendant le using the webinaire, Q&A button at any time. veuillez les soumettre en cliquant sur le Questions bouton will be put in the queue and Q&R that might get à tout lost. moment. So Toute please question use posée dans le chat normal risque the d'être chat perdue. through the Q&A button and we'll Donc, answer utilisez le as many bouton questions as possible. Q&R et nous Finally, répondrons à thank you autant for de helping questions us que build a possible. global moment of community by
Finalement, merci de nous aider à construire ensemble cette communauté mondiale aujourd'hui en gardant votre participation au chat dans un esprit de respect et d'ouverture. Si vous souhaitez consulter les règles d'étiquette que vous avez acceptées lors de votre inscription, vous pouvez les trouver en cliquant sur le lien dans le chat. Dans un instant, nous entendrons une prière de Sœur Kathy Sherman, des Sœurs de Saint-Joseph de Chicago. Ensuite, une salutation des représentants de la plateforme d'action Laudato Si, la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création, Union des Supérieurs Généraux, Union Internationale des Supérieurs Généraux, les Supérieurs Généraux, Projet Semer l'Espoir pour la Planète. Ensuite, Catalina Hinojosa de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création. Qui animera une série de brèves histoires de communautés religieuses du monde entier qui mettent réellement leur charisme au service de la réponse à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Ensuite, il y aura des questions et des réponses, alors n'hésitez pas à les mettre dans la section questions-réponses tout au long de notre session. Ensuite, il y aura une prière de clôture prononcée par Steven Salido, suivi d'un salut final du Père Roy Thomas, co-secrétaire exécutif de la commission JPIC. J'invite Sœur Kathy Sherman pour une prière. Kathy Sherman vient de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Elle est chanteuse, compositrice et activiste. Elle compose de la musique et des paroles depuis 1991. Sa passion est d'écrire de la musique qui offre guérison et espoir à notre monde, de la musique qui proclame que tous sont un. Sa musique est partagée et chantée à travers les États-Unis et d'autres parties du monde. Elle est inspirée par la conviction que le sacré se découvre dans l'ordinaire de la vie. Cathy est profondément engagée dans la lutte pour la non-violence, en particulier à Chicago, et dans la défense de la protection et de la guérison de la planète Terre. Cathy exerce son ministère au Well Spirituality Center à LaGrange Park. Elle fait partie du groupe de travail encyclique de l'Arcidiocèse de Chicago pour la plateforme d'action Laudato Si. Et co-préside le comité de pilotage Laudato Si pour la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Sœur Cathy, à vous la parole. Merci beaucoup, Sarah. Prions. The cry of the earth and the cry of the poor are one cry. Can you hear it? La clameur de la terre et la clameur des pauvres est une seule clameur. Pouvez-vous l'entendre? La clameur de la terre et la clameur des pauvres forment une seule clameur. Pouvez-vous l'entendre? Écoutez, écoutez, écoutez avec vos oreilles et vos yeux, ainsi que votre cœur. La clameur de la terre et la clameur des pauvres forment une seule clameur. Écoutez, écoutez, écoutez. The world in which we live is collapsing. Le monde dans lequel nous vivons s'effondre et approche le point de rupture. Les dégâts irréversibles causés aux personnes et à la planète sont déjà en cours et les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables paient le prix le plus cher. Le problème du changement climatique est intimement lié à la question de la dignité de la vie humaine. Quand nous penchons sur les images suivantes, prions pour nos sœurs et frères humains et non humains dans le monde qui souffre des effets du changement climatique. Et rappelons-nous des mots de Jésus à notre endroit. Ce que vous faites aux plus petits, mes frères et sœurs, c'est à moi que vous le faites.
And so we hear from Pope Francis. I urgently. Écoutons maintenant les mots du pape François. Je vous exhorte les uns et les autres urgemment à un nouveau dialogue sur la manière de transformer l'avenir de notre planète. Nous avons besoin d'une conversation qui inclut tout le monde, vu que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines concernent tous. Ces mots nous mettent lancent un défi. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous et vos descendants puissent avoir la vie. For the divine and the human meet in the slightest detail, in the seamless garment of God's Car le divin et l'humain se rencontrent dans les plus petits détails, dans le tissu de la création divine. Le tissu de l'univers parle de l'amour divin, l'affection sans limite de Dieu pour nous, pour la terre, l'eau et les montagnes. Toute chose est une caresse divine. Dieu de l'univers, tes paroles et ton amour inclusif pour nous et tout ce que tu as créé. Par ton amour, ce que tu as créé, remplis-nous de gratitude et mets-nous au défi d'aimer et de protéger la terre et tous ceux qui appellent la terre leur maison. Nous sommes ta communauté bien-aimée et en tant que telle, nous promettons de passer notre vie et dépenser notre énergie à travailler ensemble afin que nous puissions tous être un. Et c'est dans cet esprit que nous prions en disant. I pray for the world, yours, mine, and ours, and since there is but one world that... Je prie pour le monde, le vôtre, le mien, le nôtre. Et vu qu'il n'y a qu'un seul monde, cela fait de vous et moi, ensemble, un monde uni. That makes you and I together. Pray for the world, yours, mine, and ours, and since there is but one world, that makes you and I together a world, of one. And to this we say, Amen. Amen. Thank you, Sister Amen. Cathy. That was beautiful. Merci, Sœur Cathy. C'était magnifique. Je vais maintenant inviter deux personnes spéciales qui vont nous saluer. Plusieurs participants indiquaient ne pas pouvoir entendre la musique. Donc, je vous invite à revoir vos paramétrages, car d'autres personnes pouvaient entendre. Alors, tout d'abord, j'invite John Mundell, président et directeur général de la Société d'ingénierie environnementale, Mundell et Associates, consultant auprès du Dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral, et directeur de la plateforme d'action Laudato Si. Ensuite, j'inviterai la sœur Mamalifa Porekou, religieuse ghanéenne des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, co-secrétaire exécutive de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création de l'Union des supérieurs générales. Elle est également coordinatrice de Semer l'espoir pour la planète, un projet de l'Union internationale des supérieurs générales, membre du mouvement Laudato Si, et dirige le groupe de travail religieux pour la plateforme d'action Laudato Si. Donc, je vais leur passer la parole à tous les deux, à John et à Sœur Mamalifa. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous pendant la semaine Laudato Si, dont le thème de l'année 2024 est
semence d'espoir. Rappelle que chaque jour, nous pouvons planter les actions positives dans le sol de notre planète qui, si elles sont correctement entretenues et nourries, produiront des récoltes abondantes afin que tout le monde s'épanouisse. Dans le cadre de la plateforme d'action Laudato Si, nous continuons d'être inspirés par les congrégations et les communautés religieuses dans le monde et par les actions concrètes qu'elles entreprennent pour protéger et renouveler notre maison commune. Elles ont été un secteur puissant de la plateforme, fournissant des ressources et un témoignage mondial de ce qui est possible si vous vous engagez dans un voyage vers la conversion écologique. La plateforme est une initiative et une communauté mondiale en ligne qui encourage les individus, les familles, les communautés, les organisations à se lancer dans un processus de réflexion, d'évaluation et de définition d'objectifs pour travailler sur sept objectifs de Laudato Si. Ces objectifs fournissent une structure de focalisation et de responsabilisation afin de progresser dans la réanimation et la guérison de notre planète blessée. Et tout le monde le sait, si vous ne vous fixez pas d'objectifs spécifiques pour vous-même et pour vos organisations, il est presque certain que vous ne réaliserez jamais de progrès. Nous vous encourageons donc vivement à adhérer à la plateforme qui compte aujourd'hui plus de 9000 groupes et individus, dont plus de 1200 congrégations et communautés religieuses. Ces groupes représentent aujourd'hui plus de 125 millions de personnes, soit environ 10% de la population catholique mondiale. Donc, vous vous demandez peut-être, pourquoi dois-je m'inscrire sur la plateforme? Alors, premièrement, nous devenons plus crédibles lorsque nous vivons ce que nous croyons. Les actes parlent plus fort que les mots. Deuxièmement, nous devenons également plus efficaces lorsque nous agissons ensemble. Une action unifiée est plus visible et a plus d'impact. Nous avons plus de chances de réussir lorsque nous nous engageons publiquement à agir. Et bien évidemment, cela va nous permettre de nous inspirer mutuellement. Comme nous le verrons aujourd'hui, les actions locales inspirent une transformation globale. Et enfin, nous aidons mutuellement à ressentir l'urgence aujourd'hui, en vivant bien chaque instant et en agissant maintenant. Donc, merci encore au secteur religieux de notre plateforme de continuer à être le moteur qui nous aide tous à aller de l'avant pour arriver à des jours meilleurs pour nous-mêmes et pour notre planète. Merci. Sœur Mama Lifar. Merci beaucoup pour ce résumé de ce qu'est la plateforme. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui pour participer à ce webinaire de la semaine Laudato Si qui est différent des webinaires auxquels nous sommes habitués. Pour le groupe de direction du secteur religieux, ce webinaire est très spécial pour trois raisons. La première raison est la motivation du thème de la semaine Laudato Si, qui est semence d'espoir. Ceux d'entre nous qui appartiennent à la communauté agricole savent à quel point les semences sont importantes pour nourrir les gens. Les agriculteurs se préoccupent beaucoup d'assurer la qualité des semences pour la prochaine saison de plantation, ce qui leur donne de l'espoir et des fruits. Sans semences, ils peuvent éprouver un sentiment de désespoir et d'anxiété parce qu'ils ne peuvent pas cultiver, ce qui conduit à la famine ou à la faim ou à la famine qui peut entraîner la mort. Ces graines sont celles qui entretiennent la vie et nourrissent notre corps. Nous avons également besoin de semences au niveau spirituel, ce que Saint Paul appelle le don de l'esprit. Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul énumère de nombreux dons de l'esprit. Il dit, il en reste trois, la foi, l'espérance et la charité. Mais le plus grand d'entre eux est la charité. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour, autant pour moi. Ces dons font partie de la boussole morale des chrétiens. La foi relie notre intellect et notre cœur et nous permet d'agir pour Dieu dans notre vie quotidienne.
L'espérance développe notre force intérieure et notre persévérance alors que nous travaillons à des avenirs qui reflètent plus étroitement le plan de Dieu pour la création. L'amour nous appelle à entrer en relation les uns avec les autres, avec toute la création et avec notre Dieu. En un sens, il existe une profonde interconnexion entre la foi, l'espérance et l'amour. Pour reprendre les mots de Saint Paul dans 2 Corinthiens, nous pouvons être pressés de toutes parts par la crise écologique, mais nous ne nous laisserons pas écraser. Nous sommes perplexes, mais nous ne céderons pas au désespoir. Nous sommes persécutés, mais nous savons que nous ne sommes pas abandonnés. Nous sentons abattus, mais nous ne permettrons pas que cela nous détruise. C'est dans ce contexte que le pape François utilise l'espérance à de nombreuses reprises dans ses encycliques pour exprimer son importance dans nos vies de chrétiens, toujours en lien avec la foi et l'amour. Il souligne la nécessité d'avoir des personnes de foi dans le désert qui, par l'exemple de leur propre vie, indiquent le chemin, ou alors montrent le chemin vers la terre promise et maintiennent l'espérance vivante. Il nous invite à transformer les plus grandes possibilités de communication en plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité pour tous, ce qui sera si bon, si apaisant, si libérateur et porteur d'espérance. Nous sommes tous invités à une espérance renouvelée, car l'espérance nous parle de quelque chose de profondément enraciné dans chaque cœur humain, indépendamment de nos circonstances, de notre conditionnement historique. Continuons donc à avancer sur les chemins de l'espérance. Reconnaissant qu'il y a toujours une issue, que nous pouvons toujours réorienter nos pas, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre nos problèmes. Seule l'espérance peut nous motiver à trouver ensemble des solutions adéquates à la crise climatique. Cela m'amène à la deuxième raison pour laquelle ce webinaire est important. Il est important quand il s'agit d'un effort combiné de la collaboration entre la plateforme d'action Laudato Si, Semer l'espoir pour la planète et la commission JPIC qui dirige le secteur religieux de la plateforme d'action. Les idées sont nées du partage des expériences de ceux qui ont participé à la COP28. Dans le secteur religieux, nous avons réfléchi et conclu à l'importance de partager les histoires ou alors les témoignages des populations locales pour pouvoir avoir un impact durable et pour faire avancer ensemble ce qui conduit au thème de ce webinaire. Les histoires motivent les actions. Comme le dit un proverbe africain, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Allons donc ensemble, en collaboration et en réseau, en partenariat, pour trouver des solutions concrètes et réelles à la situation critique de notre maison commune et des pauvres touchés par le changement climatique. La troisième raison est que ce webinaire montre l'implication des religieux au cœur de la crise, agissant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des peuples. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'histoires qui ont lieu ou qui se déroulent au niveau des populations locales. Et parfois, elles sont perdues parce que nous ne les partageons pas avec d'autres. Nous voulons donner la parole à ces personnes qui travaillent sur le terrain et leur permettre de partager la façon dont elles sont affrontées les problèmes climatiques avec espérance et foi. Les histoires partagées nous permettent d'aller de l'avant ensemble. Ce sont vraiment des voix et des graines d'espoir. Célébrons donc ensemble cette semaine de l'espoir en étant des graines d'espoir dans nos communautés lorsque nous rencontrons des personnes autour de nous dans le monde et dans notre vie quotidienne afin de témoigner de l'amour que nous pouvons multiplier autour de nous et au-delà, de sorte que la vie puisse s'épanouir dans les personnes et dans notre maison commune. Merci. Merci, John et Sœur Mamalifar. Nous allons maintenant raconter certaines de ces histoires. Je vais donc vous présenter Catalina Hinojosa du GPIC qui animera ce moment. Merci beaucoup, Sarah. Je m'appelle Catalina, je travaille pour la Commission Justice et Paix. Sans plus tarder, nous allons écouter les histoires de
les histoires de différentes congrégations. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous comment l'amour, la foi et l'espoir ont vaincu la peur, la douleur, la souffrance et la crise. Comme vous le savez peut-être, nous avons lancé une collection d'histoires sur la façon dont les personnes religieuses font face au changement climatique avec foi et espérance. Nous avons reçu 26 récits du monde entier. Aujourd'hui, nous vous présentons 6 de ces récits provenant d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Les histoires qui ne sont pas incluses ou qui ne seront pas présentées dans ce webinaire seront diffusées dans les semaines à venir sur notre site Internet, nos blogs et nos médias sociaux. Et donc, rappelons-nous que nous entendons les voix des personnes sur le terrain qui, inspirées par le charisme de leur congrégation, ont été en mesure de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique dans leur territoire. Parfois, nous pouvons nous dire que notre histoire est négligeable, mais le pape François nous rappelle que le royaume de Dieu germe dans les petites choses, toujours dans ce qui est petit, la petite graine, la graine de la vigne. Commençons donc à partager l'une de ces graines, celle d'Europe à Frascati, Rome, Italie. Sœur Tiziana Lonitano, membre des Sœurs franciscaine des pauvres et doyenne de l'Institut supérieur de catéchèse et de spiritualité missionnaire de l'Université pontificale urbanienne, professeur de théologie et membre de diverses institutions théologiques, a partagé avec nous la façon dont une conversion écologique exige un engagement, une transformation, une formation et un changement de mode de vie. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour changer leur mode de vie. Malheureusement, la sœur n'est pas avec nous aujourd'hui, donc je vais lire les mots qu'elle nous a envoyés. Connected and inspired by Saint Francis' love to creation and also the Laudato Si. That donc, en gros, les sœurs, ces sœurs ont ressenti une responsabilité commune intégrée dans leur mode de vie, une culture écologique inspirée par l'amour de Saint François pour la création. Elles se sont demandé quel monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous. Et elles ont fait part de plusieurs choses qu'elles ont fait. Elles ont décidé de se former et d'abandonner l'utilisation du plastique. Elles ont décidé de comprendre comment les produits qu'elles utilisent sont produits. Je ne vais pas tout expliquer. Et vu qu'on n'a pas assez de temps, je voulais juste peindre une image brève de ce qu'elles font. Le pape François dit « Vivre notre vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est essentielle à une vie de vertu. » Donc, elles essayent de vivre ces vertus écologiques de contemplation, d'attention, de patience, de lenteur, de recherche du meilleur. Ce sont des vertus qui nous... Et il s'agit de vertus fondées sur le respect du bien commun. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'entrer en profondeur dans ce que les sœurs ont fait. Nous allons donc maintenant passer la parole à Beth Bigouche, qui est une sœur franciscaine de l'adoration perpétuelle. C'est une laïque, directrice de l'écologie intégrale des sœurs franciscaines de l'adoration perpétuelle. Nous voulons la congrégation. Et elle soutient sa congrégation dans la plateforme d'action Laudato Si dans les questions de justice. Beth, à vous la parole. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre histoire? Bonjour, au nom des sœurs franciscaines de l'adoration perpétuelle, c'est un honneur et un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Les sœurs considèrent la création comme l'expression visible de l'amour infini de Dieu et croient que tout est un don de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous faire part d'une histoire
d'un espace. Our kin are the woodlands, prairies, and gardens on 200 acres in Wisconsin, north central in the United States. The story begins as this land has been viewed as a belle... property purchased by FSPA in 1895. L'histoire commence par une propriété que le FSPA a achetée en 1895 à un agriculteur pour alimenter le couvent et un nouvel hôpital. Depuis plus d'un siècle, la terre est entretenue par des sœurs et avec des sœurs, car la congrégation aime toute la création, à l'instar de Saint François, comme un membre de notre famille. Plus récemment, au cours des 30 dernières années, les congrégations avec le personnel, en partenariat avec des partenaires en mission, les agriculteurs locaux, des experts techniques, et ont travaillé pour étudier la terre et la comprendre, car elle est un foyer pour de nombreux frères et sœurs, pour de nombreux frères et sœurs de la création. Nos actions menées dans cet espace sacré sont directement liées à notre bassin, qui fait partie du fleuve Mississippi, le puissant Mississippi, comme nous l'appelons, qui s'écoule jusqu'au golfe du Mexique et à l'océan Atlantique. Par conséquent, si nous prenons du temps et si nous faisons des efforts pour prendre soin de la création dans notre communauté, et dans nos jardins, cela pourrait avoir un impact sur davantage de personnes dans la planète, sur la planète et dans le monde entier. En 2009, les sœurs ont rédigé une déclaration sur l'éthique foncière de la congrégation qui souligne leur conviction sur ce que représente la terre, l'œuvre visible de Dieu. Les sœurs voulaient Les sœurs sont guidées par quatre principes directeurs: le respect de la terre, l'intégrité écologique, l'éco-justice, l'intégration de la vie. Earth, as well as the natural cycle of life and death. We have an acre garden and greenhouse where we teach. Dans un jardin, une serre où nous enseignons les gens à cultiver de la nourriture. Nous partageons cette terre également avec d'autres personnes qui font pousser de la nourriture pour leur famille. Nous nous sommes lancés dans un programme de conservation pour mieux protéger l'environnement et ça nous a permis d'avoir un soutien technique et financier pour les organisations caritatives et un soutien foncier du gouvernement américain. À partir de nos photos, vous pouvez voir les relations que nous avons développées autour de ces efforts. En 2021, les sœurs franciscaines de l'adoration perpétuelle se sont inscrites à la plateforme d'action Laudato Si. Chaque jour, lorsque nous avons une prière, nous participons. Nous nous rendons compte que nous participons tous aux objectifs de Laudato Si. Et c'est surtout vrai puisque nous nous focalisons sur la justice foncière qui vise à restaurer la relation entre les personnes et la planète pour la régénération et l'équité. Nous faisons tous partie de Laudato Si ensemble. Il suffit juste de trouver un fil commun. Nous sommes connectés à l'histoire de la Terre et nous savons que la Terre sur laquelle nous nous trouvons est chargée d'héritage. Nous savons maintenant que nos histoires sont connectées et nous cherchons à créer de nouvelles histoires centrées sur la fraternité.
Sisters Garden together in the summer. The FSPA shares the sacred space with others as a gift to bring restorative spiritual healing. The Laudato Si call to action aligns with our Franciscan values and the congregation's charism. We are aware that we can do more together and share our stories with our friends and neighbors to encourage others. Thank you so much, Beth. Thank you for that and all the work that you are doing. It looks amazing, and especially how you are connecting all the Laudato Si goals in your reality. Merci pour tout le travail que vous faites. Ça fait du bien de voir comment vous faites le lien entre les objectifs de Laudato Si et votre travail sur le terrain. Nous allons maintenant passer à une autre semence d'espoir. Nous allons passer la parole à Frère Eric Marin Carvalho, qui travaille en Amazonie. Et le frère Eric est un missionnaire franciscain conventuel qui a travaillé au Honduras et au Salvador. Il s'est concentré sur la formation initiale et les questions de justice, paix et intégrité de la création. Il est titulaire d'un master en développement communautaire durable et s'est impliqué dans l'agriculture biologique, les solutions au changement climatique et le travail socio-environnemental. Depuis 2022, il fait partie d'une équipe intercongrégationnelle qui entreprend des missions itinérantes dans la région panamazonienne, visitant des communautés indigènes, riveraines et urbaines marginalisées et assurant la coordination avec les organisations et les églises qui apportent leur soutien sur le territoire. Nous allons maintenant donner la parole au Père Eric Marin. Mais avant cela, nous rappelons aux anglophones de se connecter à l'interprétation. Mais les francophones, restez où vous êtes, s'il vous plaît. Eric, à vous la parole. Muchísimas gracias. Comenzar diciéndoles. Merci beaucoup. Alors, je commencerai en disant que cette histoire n'est pas que la mienne. C'est une expérience commune qui prend forme dans la Panamazonie, c'est-à-dire les 9 pays d'Amérique du Sud qui possèdent une partie de l'Amazonie. On parle là de 8 millions de kilomètres carrés, soit plus de 300 peuples indigènes, des communautés riveraines et des citadins. Alors, comment tout ceci a commencé? Alors, il y a un peu plus de 2 ans, je suis arrivé dans cette région. Au début, je faisais partie de cette équipe itinérante, une équipe composée de religieux et religieuses de différentes congrégations et pays, ainsi que de laïcs. Pendant longtemps, nous sommes sentis puissants, nos congrégations, mon organisation. On essayait de résoudre des problèmes en isolement. Et dans l'équipe itinérante, j'ai appris que le fait d'être ensemble n'est pas seulement une nécessité face au manque de vocation, mais plutôt une conviction née de la foi, afin que tous soient un, comme nous l'a dit Jésus. Et dans cette perspective, au sein de l'équipe, nous vivons ensemble, nous n'avons pas un lieu fixe d'habitation. Nous faisons une expérience d'itinérance parmi les peuples des 9 pays en reliant leurs problèmes aux institutions, en relayant leurs problèmes aux institutions et organisations qui peuvent fournir, qui peuvent leur apporter un soutien sur le territoire. Nous ajoutons des charismes, des rêves et des personnes. Un exemple est le travail que nous faisons avec le REPAM pour construire un grand réseau en faveur de la vie, de l'écologie intégrale, un réseau pour écouter les histoires qui nous rappellent la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Alors, que nous enseignent ces histoires? Les histoires que nous recueillons parlent, par exemple, d'exploitation minière illégale, d'arbres qui succombent à la force des puissants, d'animaux sans foyer, sans habitat et sans nourriture, et de peuples déplacés de leurs territoires ancestraux.
Ces histoires parlent d'eau qui ont un goût de mercure et de migrants sans abri, mais pleins de rêves. Ces histoires parlent d'inondations et de sécheresse. Mais ces histoires nous parlent également d'hommes et de femmes courageux qui défendent la vie au péril de leur vie. Elles nous parlent de communautés qui s'occupent de tortues et les relâchent dans la rivière. Elles parlent de mains et de cœurs qui s'unissent pour défendre la terre, les droits et les eaux. Elles parlent d'énergies renouvelables qui ouvrent de nouvelles voies qui vont au-delà de l'électricité. Elles parlent d'une profonde spiritualité liée aux créatures et à leur cycle. Elles parlent d'amour. Lorsque nous voyageons en bateau, que nous marchons dans la jungle ou que nous allons pêcher pour notre repas, nous confirmons que la voie proposée par l'encyclique Laudato Si est liée à la vision du monde des peuples d'origine et aux racines profondes de notre foi chrétienne. Et cela étant, on peut dire qu'il s'agit d'une partie fondamentale de notre mission, une partie fondamentale de notre mission, d'un impératif éthique et d'une réponse à celui qui nous annonce les nouveaux cieux et la nouvelle terre où habite la justice, et cela nous rend partie prenante de cette promesse. Pour conclure, j'ai avec moi des mots d'une femme indigène d'Amazonie qui est souvent menacée. Elle nous a dit, nous ne sommes pas seulement préoccupés par notre propre survie. Nous sommes préoccupés par le monde entier. Nous ne vous connaissons pas, mais nous sommes tous frères et sœurs. La force et la conviction de cette femme encouragent notre espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Nous vous remercions pour le travail que vous faites, surtout ce travail intercongrégationnel. Nous allons maintenant passer au Ghana. Nous nous rendons maintenant au Ghana, en Afrique. Et là-bas se trouve une grande graine d'espoir que les sœurs de la Sainte Croix promeuvent pour réduire, réutiliser et recycler le plastique, pour faire une économie circulaire. Sœur Comfort Arthur est directrice du projet SOAR, S-O-A-R, qui signifie Sisters Organizing and Advising Recycling, des sœurs pour l'organisation et la promotion du recyclage. Sœur Comfort est diplômée du Collège universitaire catholique du Ghana et titulaire d'une maîtrise en gestion des services de santé. Elle fait partie du comité de justice de sa congrégation. Nous regarderons ensemble une vidéo, puis nous donnerons la parole à Sœur Comfort. When we say SOAR, it means Sisters Organizing and Advancing Recycling. This came as initiative of the Justice Committee. L'initiative SOAR est une initiative de la Commission Justice Paix et Intégration au Ghana. On se rend compte que les plastiques se retrouvent partout. Chaque coin du Ghana est recouvert de sacs plastiques. Donc les sœurs se sont dit qu'il fallait faire quelque chose pour sauver notre mère, la Terre. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous employons les femmes vulnérables, les veuves, qui nous aident à recueillir les déchets plastiques. Elles gagnent un bon salaire et nous éliminons les déchets plastiques de la rue. On visite également les écoles pour sensibiliser
à la question de la crise climatique et de la pollution des plastiques dans notre pays. Nous donnons à chaque institution que nous, à laquelle nous rendons visite des outils pour recueillir les déchets plastiques. Et ce faisant, chaque semaine, nous recueillons les déchets plastiques que nous amenons à la ville capitale pour recyclage. Ces déchets sont transformés en seaux, en chaises et en d'autres outils plastiques. Donc, il est de notre devoir de protéger, de s'occuper de notre mère, la Terre, car la Terre est un don de Dieu et nous sommes tous des intendants de cette Terre qui nous a été confiée. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si Sœur Comfort est là. Elle est là. À vous la parole. À cause du changement climatique, nous avons plusieurs orages et donc il n'y a pas d'électricité. Mais bon, je suis là. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. La production. La production et l'éducation et l'utilisation du plastique ne cessent de croître au Ghana et dans le monde entier. Et donc, il est urgent de gérer les déchets et d'éduquer à l'importance du recyclage. Sœur Comfort, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? On ne vous entend pas clairement. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît? C'est pour répondre à cette nécessité que nous avons lancé SOR en 2017. Il s'agissait d'un petit projet pilote. Aujourd'hui, nous opérons dans tout le sud du Ghana en partenariat avec 100 écoles, paroisses, congrégations, organisations et des particuliers. Nous embauchons des femmes. Beaucoup sont des veuves et doivent subvenir aux besoins de leur famille. Elles sont là pour collecter, trier et laver les déchets plastiques. Nous éduquons et responsabilisons ceux avec qui nous travaillons également. L'urgence à laquelle le pape François nous appelle dans Laudato Si et Laudate Deum nous motive. Car si ce n'est pas nous, alors qui fera ce travail? Nous savons que d'autres se tournent vers nous pour des conseils et des orientations. Notre fondateur, le bienheureux Basile Moreau, a encouragé les femmes et les hommes de Sainte-Croix à s'immerger dans les quartiers où la Providence les avait placés, à comprendre les besoins du lieu et des gens et à y répondre si possible. En réponse à notre chapitre général 2019, nous sommes engagés publiquement en 2021 à répondre à l'appel du pape François en rejoignant la plateforme d'action Laudato Si. Cet engagement marque notre volonté. Notre volonté de prendre des mesures concrètes et audacieuses dans l'esprit de Laudato Si pour faire face aux multiples crises qui affligent notre maison commune, la planète et ses habitants. Lorsque nous avons commencé notre travail de recyclage au sein de SOAR, nous l'avons fait pour répondre au cri de la clameur de la Terre, comme ce qui est un objectif de Laudato Si. Mais au fur et à mesure que notre projet prenait forme, nous sommes rapidement rendus compte que la meilleure façon de répondre de manière holistique à la crise du plastique au Ghana était d'intégrer tous les objectifs de Laudato Si. Nous employons donc les femmes locales en leur versant un salaire juste et équitable pour leur
pour les plastiques qu'ils recueillent dans les quartiers pauvres afin de répondre à la clameur des pauvres. Nous nous rendons dans les écoles et les paroisses pour animer des ateliers d'éducation écologique. Parmi ces ateliers, plusieurs de ces ateliers portent sur l'importance d'un mode de vie durable. Certaines écoles ont créé des articles réutilisables à partir des matériaux plastiques et les ont vendus dans le cadre d'une forme d'économie écologique. Le thème de l'éco-écologie, de l'éco-spiritualité est intégré à notre programme, reliant le travail que nous effectuons à notre vie de prière et à notre foi alors que nous prenons soin de notre maison commune. Pour conclure, partout où nous allons, notre objectif est de donner aux personnes et aux communautés que nous servons les moyens de participer à ce travail, de se l'approprier et de collaborer à ce travail. Prochaine diapositive. Notre objectif est de ne plus avoir à être à l'origine de sort pour que cela ne signifie plus Sisters Organizing and Advancing Recycling, mais que pour que cela devienne Society, pour qu'on passe de sœur pour l'organisation et la promotion du recyclage à société pour l'organisation et la promotion du recyclage. Et cela commence avec chacun d'entre vous. Je vous remercie. Merci, Sœur Confort. Vous vous rendez maintenant. Merci, Sœur Confort, pour le travail que vous faites dans votre communauté et qui inspire le reste. Nous nous rendons maintenant aux Philippines, en Asie. Nous entendrons Ray Sario, un laïc, travaillant à l'Académie Saint-Joseph de Las Piñas. Il nous parlera de l'histoire d'une conversion personnelle qui s'est transformée en conversion communautaire qui a influencé les programmes scolaires. Ray Sario est titulaire d'une licence en philosophie et en communication de masse. Il est devenu enseignant agréé en 2004 et détient d'importants certificats en enseignement technique. Il est un leader et un mentor de la réalité climatique qui plaide pour les gens et la planète et a fondé l'initiative Living Laudato Si Las Piñas. Ray, à vous la parole. Merci de me donner la parole, Catalina. Bonjour à tous depuis les Philippines. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir été choisi pour faire part de mon histoire pendant ce webinaire. Je suis vraiment reconnaissant pour cette occasion. Alors, j'ai grandi dans la grande ferme de mes grands-parents où j'ai appris à prendre soin de la terre et à travailler dur. Mes grands-parents m'ont enseigné ces valeurs. Et mes frères et sœurs, mes cousins et moi-même, nous ne nous contentions pas de regarder. Nous participions à diverses tâches agricoles. Cette participation nous a permis de nous sentir responsables de la nature et d'y être connectés. La ferme était comme un immense terrain de jeu plein de récoltes odorantes. Et nous aimions guider les carabaos et d'autres animaux, explorer les montagnes et nager dans les rivières. Ce sont des activités qui nous ont permis de rester en bonne santé, d'être heureux et d'accumuler des souvenirs précieux avec notre famille tout en nous sentant proches de la terre. Donc chaque jour à la ferme était une nouvelle aventure qui m'a permis d'apprendre des leçons précieuses qui me guident encore aujourd'hui. Grandir à la ferme m'a donc aidé à comprendre comment le fait d'être lié à la terre façonne qui nous sommes et comment nous nous développons en tant qu'êtres humains. Et donc, après le lycée en 1992, j'ai ressenti un fort désir de changer les choses et j'ai quitté la province de Sto, Domingo Albay, pour me rendre à Metro Manila afin d'explorer les moyens de contribuer à la résolution de problèmes importants. En rejoignant des groupes et des organisations locales, j'ai pris conscience de nombreux problèmes environnementaux et je suis devenu déterminé à les résoudre. C'est ce qui m'a amené à choisir la vie du séminaire. Au séminaire en 1993, j'ai trouvé un endroit où je pouvais combiner mes préoccupations environnementales avec mes croyances spirituelles. Et inspiré par les enseignements de Saint François d'Assise, j'ai appris à sensibiliser les gens à la protection de la nature, en particulier ceux qui ont le moins de ressources. Et donc, faire face à ces difficultés n'ont fait que renforcer ma détermination à faire bouger les choses.
Mais en 1998, j'ai quitté le séminaire et ce n'était pas un pas en arrière, mais un pas en avant. Je voulais agir et pas seulement parler. J'ai décidé donc de me concentrer sur la lutte contre la pauvreté, sachant qu'elle est liée aux questions environnementales. Et ce changement était important, mais j'étais prêt à avoir davantage d'impact. Et devenir catéchiste professionnel à Manille en 1999 a été un grand pas pour moi. Je voulais enseigner plus que la religion. Je voulais éduquer à prendre soin de notre planète. Dans mes cours, je faisais le lien entre la spiritualité et la nature, en menant les activités et des excursions pour aider les élèves à comprendre leur rôle dans la protection de l'environnement. Et malgré une certaine résistance de la part des élèves et des parents, j'ai utilisé diverses méthodes pour rendre mes cours intéressants et accessibles. Car je crois au pouvoir de l'éducation pour inciter les gens à agir. Et donc ça incitait mes élèves à se préoccuper par l'environnement et à agir. Cette mission allait au-delà de l'enseignement. Il s'agissait de créer un avenir meilleur pour nous tous. Et en 2003, j'ai rejoint l'Académie Saint-Joseph de Las Piñas. L'un des principaux objectifs de notre école est de faire de ses membres des agents de changement qui s'impliquent activement dans les questions sociales, morales et politiques qui affectent la société et l'environnement. Donc cette mission m'inspire et me soutient dans la mise en œuvre du programme Laudato Si, ou alors m'a soutenu dans la mise en œuvre du programme Laudato Si en 2018, qui correspond parfaitement à ses valeurs. Inspiré par la lettre du pape François sur la protection de l'environnement, l'objectif n'était pas seulement d'informer, mais aussi de responsabiliser les élèves à la protection de notre planète et les inciter à agir, notamment en répondant à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Et donc, le succès du programme scolaire a montré que l'éducation peut conduire à des changements dans le monde réel. Donc, les élèves sont devenus davantage conscients et davantage impliqués dans la protection de l'environnement, contribuant ainsi à créer un meilleur avenir pour tous. Cette initiative a donc conduit à la création des jardins Laudato Si, qui sont devenus des salles de classe vivantes dans lesquelles les enseignants, les parents et les élèves ont travaillé ensemble pour prendre soin de la planète. C'était donc une autre façon de réduire notre empreinte carbone. Pendant la pandémie, ces jardins se sont étendus au-delà des écoles, influençant les maisons et les arrière-cours des élèves en fournissant des aliments frais à la communauté. Ça nous a montré que de petites actions peuvent conduire à de grands changements et ont mis l'accent sur notre responsabilité commune de protéger l'environnement. Notre travail d'équipe dans les jardins Laudato Si a montré notre engagement ferme à prendre soin de l'environnement. Donc la récolte n'était pas qu'une question de nutrition. Elle symbolisait notre engagement à maintenir une bonne relation avec la nature. Le partage de notre récolte avec notre église et les familles des élèves a renforcé nos liens communautaires et notre engagement en faveur de la protection de l'environnement. J'ai invité mes collègues leaders de la réalité climatique et les animateurs de la date aussi à parler aux élèves de terminale de leurs actions en faveur de l'environnement. Cela aide les élèves à comprendre l'appel du pape François à prendre soin de notre maison commune. Nous utilisons aussi activement les médias sociaux pour encourager les gens à rejoindre l'activisme climatique et environnemental. Et en me penchant sur mes expériences dans la province et dans la métropole, ainsi qu'au dévouement de mes élèves, je vois une histoire qui pourrait inspirer un mouvement plus large en faveur de la protection de l'environnement. Il s'agit d'un appel à l'action. L'action pour que chacun s'attaque de front au changement climatique. Nous devons agir maintenant en utilisant les énergies renouvelables, en réduisant les déchets et en soutenant des politiques qui aident la planète. Il est essentiel d'enseigner à la prochaine génération à prendre soin de la Terre et de lui fournir les outils pour le faire. En travaillant ensemble et en rejoignant les initiatives et organisations locales et internationales telles que les projets de réalité climatique, comme le mouvement Laudato Si, les conférences, la conférence des partis, la COP29, nous pouvons avoir un impact significatif. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, comme les vagues de chaleur et les sécheresses, nous rappellent l'urgence de notre mission.
Cela montre que nous devons agir rapidement pour protéger nos communautés et l'environnement. Et donc, dans notre voyage, éduquons-nous, plaidons pour le changement et prenons des mesures pratiques pour prendre soin de notre maison commune, car ensemble, nous pouvons créer un monde plus durable et plus équitable pour tous. Merci de m'avoir écouté. Merci pour le travail que vous faites, votre conversion et votre travail pour convertir votre communauté, vos actions pour votre territoire. C'est très inspirant. Enfin, nous allons nous rendre en Océanie, à la maison des sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur en Australie. Sœur Marie-Anne est responsable du projet de plan d'action Laudato Si pour sa congrégation. Et elle est conférencière éducatrice indépendante. Elle est spécialiste des études intégrales. Et les ministères antérieurs de Marie-Anne comprennent l'enseignement, le travail au sein de Catholic Earth Care Australia en tant que directrice d'un centre écologique et la direction de nombreuses initiatives écologiques, pratiques et spirituelles. Elle présentera en vidéo. Merci également à l'équipe technique qui nous aide pendant ce webinaire. Toutes ces histoires que vous avez entendues seront disponibles sur notre site internet. Bonjour et bienvenue en Australie, au sud de l'Australie. Je suis sœur Marie-Anne. Je me retrouve sur le couvent, dans un couvent, j'ai pas entendu le nom. C'est un lieu qui a une importance spirituelle et culturelle pour le peuple, pour son peuple autochtone et pour la communauté en général. Les sœurs de Saint-Joseph ont été fondées en 1986. Nous avons été créés pour répondre aux besoins de ce pays et cette communauté. Les Joséphites ont la réputation d'agir de manière concrète, de l'est à l'ouest, du nord au sud, du littoral. Ma famille en Australie, au sud de l'Australie, dépendent généralement des pluies pour leurs récoltes qui deviennent de plus en plus rares. Cependant, d'un autre côté de l'Australie, certaines personnes attendent que les pluies s'arrêtent. Les signes de la crise climatique sont visibles. Nos fondateurs, Sœur Marie et June, j'ai pas entendu le nom, continuent de nous inspirer pour répondre à la clameur de la Terre et faire face à la crise climatique. Et ceci est notre priorité depuis des décennies. Nous continuons de travailler sur des actions pratiques comme l'installation des panneaux solaires et l'utilisation des véhicules hybrides. Cependant, ma préoccupation concerne la conversion qui ne saurait être quantifiée dans nos cœurs, nos attitudes et nos motivations. Pendant les dernières années, nous avons lancé une campagne sur les plastiques. J'ai pris part à cette campagne et avant même cette campagne, au recueil de déchets plastiques. Et j'ai appris plus tard que les plastiques que nous collections, que nous recueillions, n'étaient pas traité de manière adéquate, était juste jeté. Et donc, la communauté Joséphite
a compris qu'il y avait quelque chose à faire pour restaurer l'espoir. J'ai été encouragé par la quantité d'histoires en ligne des sœurs, des écoles qui nous ont envoyé, des initiatives écologiques qu'ils menaient, des exemples de recyclage, des bouteilles plastiques, des piles, des matières organiques. D'autres personnes nous ont expliqué comment réduisent l'utilisation de microplastiques à travers l'utilisation des tissus. Et il y a également des projets d'art dans les écoles pendant les pauses où les élèves créent des œuvres d'art à partir des bouchons de bouteilles plastiques. Et ça fait plaisir de voir des jeunes se livrer à ce travail. Nous sommes heureux de voir des gens qui nous montrent que les actions les plus petites sont importantes. Et c'est pourquoi le Eco Hero Collection est très populaire dans notre communauté. Et à travers cette campagne de plastique, trois formes d'action ont été suggérées. Action contemplative, action communautaire et action spirituelle. La campagne sur les plastiques se focalise sur la préservation. Nous avons une nouvelle campagne qui s'appelle Espoir Urgent Hope, qui se focalise sur le niveau systémique. La première conversation pose le contexte de la crise climatique qui est urgente et qui nous appelle tous à exercer les vertus de l'espoir. L'éco-fatigue se fait ressentir chez les jeunes et c'est une préoccupation majeure. Les participants sont invités à explorer les sujets comme les réfugiés climatiques, pour comprendre la nature du problème et comment cela les affecte personnellement. La deuxième étape se concentre sur ce que le pape François dit, sur ce que les enseignements socio-catholiques et la théologie actuelle disent. Nos participants sont encouragés à créer le lien entre ces sujets et leur foi. La troisième étape se concentre sur l'impératif à agir auquel le pape François nous appelle. Nous avons la contemplation, l'action communautaire, le plaidoyer et l'activisme. J'aime mon rôle dans le plan d'action Laudato Si au sein de la communauté joséphite et j'espère que notre travail changera les choses. Merci. Merci beaucoup à tous et merci pour ces histoires qui nous inspirent. Nous vous rappelons que ces histoires sont disponibles sur notre site internet et vous pourrez les consulter et voir lesquelles pourraient vous inspirer pour votre propre contexte. Je redonne la parole à Sarah. Merci Catalina, merci à nos intervenants. Merci à nos intervenants pour tout ce qu'ils ont partagé. On aurait pu poursuivre la conversation, mais nous touchons déjà à la fin de notre webinaire et nous avons une annonce spéciale pour un événement qui aura lieu très bientôt.
Christian sister, Salesian sisters, and currently collaborator in the youth ministry sector of her congregation in Rome. She has served as the youth ministry coordinator for her home province, composed of Zambia, South Africa, and Lesotho, for the Zambia Conference of Catholic Bishops. Cette annonce sera faite par Sœur Constance. International Commission for Intercollegiate Ecology. Sister Constance, we're excited to hear your piece here. Sœur Constance est une fille de Marie auxiliatrice zambienne. Nous vous invitons à participer à un défi d'un mois inspiré par les objectifs Laudato Si. Ce voyage de réflexion fait le lien entre deux événements clés, la semaine Laudato Si 2024, sous le thème Semences d'espérance, et le temps de la création 2024. Sous la bannière espérer et agir avec la création. Du 23 juin au 23 juin, nous vous invitons à nous rejoindre dans cet effort de collaboration organisé par la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création, Supérieurs Généraux de l'Union Internationale et la Plateforme d'Action Laudato Si. Ces activités sont inspirées par les actions proposées par la plateforme d'action Laudato Si. Nous vous invitons à choisir celles qui correspondent le mieux à votre situation et à vos inspirations et à les mettre en œuvre au cours du mois. Ce défi d'une durée d'un mois a pour but d'encourager chacun à entreprendre un voyage continu de conversion à l'écologie intégrale. Compte tenu de la diversité de nos contextes, chacun d'entre nous essaiera de faire ce qui est dans ses possibilités. L'important est de faire quelque chose et de ne pas s'arrêter et de continuer d'agir pour notre maison commune. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager vos histoires, vos photos ou vos vidéos avec nous par le biais d'un formulaire Google dédié à cet effet et sur les réseaux sociaux et inspirez les autres avec votre parcours, votre voyage. Examinez les exemples donnés pour répondre aux sept objectifs de Laudato Si. Restez à l'écoute pour rester connecté et attendez nos emails, les détails de la façon de participer par email. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de recueillir des informations ou de satisfaire notre curiosité, mais de devenir extrêmement conscient, d'oser transformer ce qui se passe dans le monde en souffrance à un niveau personnel et de reconnaître ainsi quelle est la contribution que chacun peut apporter à la protection de notre maison commune. Merci beaucoup. Merci, Sœur Constance. Nous allons attendre davantage d'informations à ce sujet. Je vais maintenant inviter le Père Roy Thomas, le Père Roy est membre de la Société du Verbe Divin et co-secrétaire exécutif de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création de l'Union des Supérieurs Généraux, Union Internationale des Supérieurs Généraux. Il est titulaire d'une licence en administration des affaires et d'un diplôme de troisième cycle en droit de l'homme et en travail social. Il a travaillé à l'autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants au niveau local et à connaître des migrants. Il a fait beaucoup de travail dans le domaine de la restauration et dans le domaine social. Merci de m'avoir donné. Merci, chers amis. Alors que nous touchons à la fin de ce webinaire, je ressens beaucoup de reconnaissance et d'optimisme. Nous sommes réunis pour célébrer la semaine Laudato Si avec le thème « Voix de foi et d'espoir, voix des catholiques pour l'action climatique ». Je crois que c'est ce que nous avons fait. Nous avons été témoin de plusieurs histoires dans le monde, des histoires d'individus et de communautés qui ont embrassé
Laudato Si, et qui se sont et qui ont opéré des changements dans leur vie. J'aimerais remercier les intervenants qui ont fait part de leurs histoires et des bonnes pratiques et de bonnes pratiques. Votre détermination à mettre en œuvre Laudato Si est à saluer. Et c'est également une inspiration pour nous tous. Vous êtes vraiment les semences d'espoir pour un avenir plus durable. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais, c'est la conversion écologique. Une conversion individuelle, une conversion systémique, une conversion pour l'humanité. Et le plus important pour ce processus de conversion, c'est l'espoir. L'espoir que le changement est possible pour un meilleur monde pour nous et pour les générations à venir. En concluant, portons avec nous les semences d'espoir au reste du monde. Plantons-les et regardons-les grandir en engagement pour la protection de la création. Avec de la détermination et avec l'action, nous pouvons créer une planète qui n'est plus un rêve, mais une réalité. Merci aux participants et aux organisateurs qui ont fait de ce webinaire une organisation, une expérience transformatrice. Puissions-nous continuer de travailler ensemble dans l'esprit de Laudato Si, en continuant de nourrir l'espoir et en continuant de semer les graines d'espoir qui vont germer pour la planète. Mahatma Gandhi a dit, soyez les petits changements que vous voulez voir dans le monde. Continuons à être les changements, vous et moi. Merci et que Dieu bénisse nos efforts. Merci beaucoup, Père Roy. Et un grand merci à nos invités, à l'équipe de coordination qui a travaillé pour recueillir ces histoires, à l'équipe technique, à nos interprètes et à tous ceux qui ont permis à ce que les PowerPoints soient diffusés à l'écran. Si vous voulez continuer de recevoir des informations de la plateforme d'action Laudato Si ou vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site www.laudatosiactionplatform.org. Et si vous êtes déjà inscrit, n'oubliez pas que vous pouvez désormais télécharger une version de votre réflexion, de votre plan Laudato Si pour chaque année civile. Vous pouvez nous envoyer un email sur info@laudatosiactionplatform.org. Avant notre prière de clôture, nous avons hâte de vous revoir le 6 juin pour notre webinaire intitulé Intégrer la protection de la création dans la vie de l'Église. Cette session se penchera sur les structures actuelles de l'Église qui soutiennent la protection de la création en soulignant les rôles des diocèses, paroisses, écoles et organisations dans la gestion de l'environnement. Donc nous avons hâte d'y être et je vous donne rendez-vous le 6 juin. J'invite maintenant Steven Salido pour la prière de clôture. Steven nous vient de la ville de Mexico. Merci beaucoup, Sarah. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te remercions d'avoir entendu ces histoires aujourd'hui. Puis ces histoires puissent nous inviter à continuer à écouter et à semer l'espoir et l'amour pour la protection de notre maison commune. Puis ces histoires pour proclamer la vérité, développer l'empathie et la protection pour notre et l'envie de protéger notre maison commune. Amen. Merci Steven, merci à tous. Nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de votre journée, pour le reste de la semaine Laudato Si, et nous espérons vous voir très bientôt. Thank you, everyone. Thank you. So great to see
so great to see all of the faces. Vous pouvez activer vos micros et dire au revoir si vous voulez. Merci beaucoup. Merci, grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye, bye bye. Thank you.